Et c'est parti pour le combat suivant. Combat dans les règles Muay Thai cette fois-ci. 3 rounds de 3 minutes encore une fois. Tom Wallace, c'est le premier à faire son entrée. Qui était présent ici même à la Halle Carpentier l'an passé pour la seconde édition du Capital Fight. Il avait affronté à cette occasion Arthur Meyer et s'était incliné par décision. Et face à lui ce soir, Célestin Mendes qui lui a battu Arthur Meyer très récemment, c'était lors de la seconde édition du duel. On accueille maintenant son adversaire, Célestin Mendes. Célestin qui représente le club Phoenix. Et Célestin qu'on a vu en action sur notre antenne il n'y a pas si longtemps. C'était lors de la troisième édition du duel. Le mois dernier, hein, tout juste. Il s'était imposé à cette occasion, mais une victoire très controversée contre Alaverdi Ramazanov. Alors le public et beaucoup pensaient que Ramazanov méritait de l'emporter. Finalement c'est Célestin qui a été déclaré vainqueur. Et Célestin qui avance là, je vous l'ai dit, hein, s'est imposé contre Arthur Meyer. C'est lors de la seconde édition du duel le 28 octobre dernier. Combat pour Célestin Mendes.
sa place à l'entre le gars. Voilà, vous l'avez entendu, de la bouche de Tarek Ben Mansour, ce combat se déroulera dans les règles du Muay Thai, prévu en 3 rounds de 3 minutes. Célestin Mendes avec le short or. Et face à lui, Tom Wallace. C'est lui qui va venir te chercher, d'accord ? Qui nous vient de Lyon. Regarde-moi. Avec le short blanc. Laisse-le venir à toi, on va plus le chercher. Si t'as vos souris, c'est que t'as plus le dessus, d'accord ? Descends, s'il te plaît. Voilà, donc c'est un combat de Muay Thai, bien sûr. Les deux hommes qui vont effectuer leur amoué avant de combattre. Voilà, je vous ai laissé profiter donc du ramouet de nos deux combattants, Tom Wallace, le Lyonnais, et Célestin Mendes, le Parisien. Donc, combat qui se déroulera dans les règles de la boxe thaï. A noter hein, que Tom Wallace combat dans différents styles. On le voit régulièrement dans les règles du K1, mais on l'a vu également dans les règles du Kempo. Qui donne ses dernières recommandations et va pouvoir attaquer ce combat, je vous l'ai dit, hein, prévu en 3 rounds de 3 minutes. Les coups d'hier dans le coin de Célestin et on va pouvoir attaquer ce combat. Après si tu le sens, vite ta vie. Voilà, c'est bon, t'es bien. Je vous rappelle, nous sommes toujours sur la première partie, la seconde partie, excusez-moi, de ce Capital Fights 3ème édition, un événement qui marque les 10 ans de la FFKMDA. Je vous rappelle encore une fois, c'est la fédération qui organise cet événement. Et c'est parti donc pour ce combat, 3 rounds de 3 minutes.
Tom Wallace avec le short blanc, Célestin Mendes avec le short or. Premier low kick pour Wallace. La réponse de Célestin un peu court. Il était déséquilibré. Allez, bon low kick pour Wallace. Et la réplique tout de suite hein, de Célestin. Belle feinte pour Wes low kick de la part de Tom Wallace. Low kick intérieur pour Célestin, le middle. Une belle percute là avec le point avant. Un bon crochet, il est sonné. Il est sonné, je me demande même s'il n'est pas KO. Célestin Mendes, quel crochet du droit de Tom Wallace. Ah, ça veut dire il ne reviendra pas, il ne repartira pas au combat. C'est terminé. Quelle victoire, la surprise et la joie bien sûr de Tom Wallace. Alors il a surpris son adversaire avec un crochet du droit qui est arrivé sur le haut du crâne. Et Célestin ne s'en est pas remis. Alors on l'a vu hein, dans ce combat, il n'y a pas eu vraiment d'observation. Tous les coups, on voyait d'un côté comme de l'autre, étaient censés faire mal. Et derrière, Wallace bien sûr qui va saluer son adversaire. Toujours ce respect hein, entre les combattants qu'on apprécie beaucoup dans le monde des sports de combat. Et ce, quelle que soit la discipline. Come on.
qui avait lancé face à Arthur Meyer lors de la deuxième édition du Capital Fight. Voilà, professeur, on ne croit pas beaucoup de voir les jeunes capitaines de Capital Fight. Et je vais être connu parce que dans ce moment-là, c'est un professeur redoutable. Il a lancé ses stabilités et il remporte ce combat par KO à la première reprise. Alors, messieurs, nous sommes au centre pour la décision de notre officiel. Je suis deg, j'ai loupé. C'est arrivé le chaos. Au centre pour la décision de notre officiel. De notre officiel.